Oh putain, mais c'est le moment du drame. C'est le moment du drame et de la scène la plus longue du jeu, mon petit pote. Bah accrochez vos culs, hein, les petits potes, hein. Je peux pas avoir une clé, c'est triste. Bah sinon tu fais les deux, ça roulait quand t'inquiète, hein. La vidéo va pas disparaître. Et le live, oui, lui, par contre. Ah, Marcus arrive, mais non, t'inquiète. Je rappelle qu'on est un BG Marcus, là, cette fois-ci. Et mon pote. Et mon pote. Monte ta gambette. Ok, mon pote. Et c'est quoi le dernier truc, déjà? C'est au niveau de l'oreille, je crois. Ouais, c'est au niveau de l'oreille. Ok. Vas-y, mon Marcus. C'est des QTE ici? Oui, c'est des QTE. De ces morts. Et mon pote? Dis, faut aller sur quelle reine? La femme parfaite? Oui, sur la femme parfaite, Lila. Mais je vais peut-être leur faire encore une fois le jeu. Après, je verrai. Peut-être pour faire tous les trucs que j'ai pas fait et faire une run genre... c'est middle. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mon pote. J'essaie de faire les gestes doucement pour pas abîmer le câble. Parce que le problème, c'est que les câbles de merde, comme il y a sur les manettes de PS4, c'est des câbles qui s'abîment au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, dès que tu les manipules un peu. Automatiquement, ça s'abîme. Et c'est des câbles à chier, vraiment. Il y a de check sur les LKD. Si tu refuses une fois de faire revenir Chloé, je te proposera plus. D'accord, ok. C'est un peu casse-couille. Non, en soi, c'est pas plus mal. Cette connasse, elle me coupait la parole à H24. Est-ce qu'en soi c'est un si grand regret, j'ai envie de te dire? Est-ce qu'en soi on est vraiment si brisé de cette nouvelle ou pas? Tu vois? Parce que c'est marrant, mais quand même elle casse les couilles, quoi. Elle est gentille Chloé, mais elle pète la bite un peu. On verra plus Chloé, il est brisé tout ça. Très gros regret. Ils sont brisao. Le brising complet. Ok, allez mon pote. Ah, c'est long cette scène en vrai. Est-ce que par hasard les gars? Mais attends, mais... Mais con, hein. Débile, frère. On va juste aller dans le chapitre et faire sauvegarder la progression. Comme ça on fait pas un truc parce que le... Donc peut-être pour ceux qui ne le savent pas, hein. Donc c'est où c'est? Le peintre, coéquipier, tu mon fils, l'interrogatoire, fugitif, l'enfer, voilà. Alors si vous allez dans l'arborescence de l'enfer, hein, c'est point A, point B, les petits potes, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de truc à faire. Donc on a déjà tout fait, tout ce qui est ici. Donc on peut faire en attendant Hank directement. Je viens d'y penser parce qu'en fait juste là on va faire un truc qui sert à R en fait. On va juste attendre pendant 12 jours. Alors, on va parler à Amanda quand même. Ça par contre c'est important. Sauvegarder bien sûr. Évidemment. Le mec t'a dit qu'elle était pas ton ami, elle était abattue, on dirait. Oui c'est ça, oui. Oui tout à fait, ouais. Et ça lui fait tirer la gueule en fait tout le reste du jeu. Genre elle est en mode oh qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? M'a-t-il friendzonné? What the fuck man? Okay. J'espère que ça vous dérange pas les potes de Next, la scène de Marcus, mais vraiment, elle est bien la scène, mais quand tu l'as fait une ou deux fois, quoi, après le reste du temps... En fait, quand tu la découvres, elle est incroyable, et après le reste du temps, bah tu refais la même chose, quoi. Ça n'a pas besoin de le faire, du coup. Ça ne change rien à notre stabilité logicielle. Oh, los pirones, hermanos. Et avec notre bébou, les petits potes. Et ça, c'est le plus important. Donc on va lui dire à quel point on l'aime. Hein, elle va se sentir trahie. Une fois qu'elle sera sentie trahie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Et nous, on va se taper des morts. Bonjour, Amanda. Rien à foutre. Connor. Connor. Contente de te voir. Mm-hmm. Je comptais sur toi pour appréhender le déviant qui a tué cet homme. Hein? Je dois t'avouer que je suis un peu déçu. Hein? Attends. Attends. Je suis pas au max, pétasse! Attends. Elle est conne celle-là ou quoi? Hein? Non, bro. Me dis pas qu'on est obligé de faire ça, genre. T'imagines, genre là, on a enculé notre run? Attends. On va refaire continuer, mais. Ah, mais il faut vraiment tout refaire à chaque fois! Oh! Oh, les gars, racontez-moi des histoires! Oh putain! J'ai voulu gagner du temps, j'en ai perdu! Attendez, mais les gars, mais...
Attends, mais il est complètement foireux, le système de chapitres. Les gars, il est complètement éclaté, le système des chapitres, en fait. Waouh, frère. Ok, bon, on va essayer de le rush, les frérots, mais... Waouh, quel encul. Voilà, fais-toi un remake à toi-même, KD, à ce moment-là, quand on sera sur le montage, tu coupes jusqu'au moment d'à la fin, parce que c'est chiant. Et tu marques un message avec marqué, genre, juste... C'est chiant de refaire, donc nique ta mère. Nique ta mère. Ou alors, pute. Avec une musique de Thomas de Tech Engine. Voilà, ça vous va? Moi, ça me va. Ok, c'est super, on est d'accord. Oh, j'adore être tombé d'accord direct. Oh, voilà. Ok, les petits potes. Alors, elle a intérêt, hein. Mais elle a intérêt à me parler comme si j'étais son meilleur copain. Vraiment, là, c'est pas le cas, les gars. Je fais un procès. Je le dis. Procès immédiat, les potes. Ok, les frères. Alors, vous avez le son du jeu, vous avez tout. C'est bon pour vous, hein. Tout va bien. La musique, je l'ai enlevée, oui, c'est normal. Normal, les musiques du jeu sont très très belles, donc je mets pas de musique pendant le live sur D3. Parce que justement, les musiques du jeu sont absolument magnifiques. Va aller tâter de la pierre pour voir. Mec, si... Je vous jure. Si elle me dit que je l'ai pas trouvé, je vais péter un câble. Je vais... Le son. Vous avez pas le son? Oui, vous l'avez? Ah, c'est bon. Comme on dit, Inch'Allah, elle t'écrase. Bonne soirée, monsieur Romain Lefebvre, merci infiniment d'être passé. Ok, ok, merci, les petits potes. Bonjour, monsieur Asap Slumgod. Comment vas-tu, mon fils? Bien viens de rue. Oh, les petits potes, on est presque 10 000 sur Twitch, ça remet une dinguerie, hein. Oh, dinguerie dingue, mon fils. Dinguerie dingue. C'est trop la dingue. Je l'ai pas trouvé, si je te pétais ta gueule. C'est quoi cette pierre? C'est pour te faire comprendre que c'est l'issue de secours dans le cas d'une défa en fait. Quand tu deviens full déviant avec Connor. Bonjour Amanda. Connor. Connor. Contente de te voir. Ta gueule. Ok. C'est pas le con, hein. Félicitations. Ah, ce déviant. Ah oui, on se pute. Tu l'as interrogé avec une grande... Oh, merci, je sais. C'est un peu... Tu es remarquablement efficace, Connor. Allez, et une érection. Ah, merci, Amanda. Oh, derrière, un plaisir. Ah, putain. Frère, j'ai eu trop peur. Sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être... délicat. Vas-y, je commence à connaître les répliques par cœur. Déviance, traumatisme, intervention, simulation. Traumatisme, déviance, intervention, simulation. Intervention, c'est flou comme réponse. Ah, pourquoi les potes? Pourquoi? Je crois que ça change rien en plus. Traumatisme, est-ce que ça nous rend un peu plus instable? Traumatisme, ouais, on est d'accord, hein. Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Oh, Donald, t'es beau. Le... lieutenant Anderson a été officiellement assigné... Oui, et je l'aime. Que penses-tu de lui? Je l'aime et je te baise. Fascinant, dysfonctionnel, désagréable, pas sûr. Trop fascinant. Je pense qu'il est irritable. Et plutôt misanthrope. Bonjour, monsieur Blood Angel, bienvenue de rue. Un bon détective. Pour le premier live, bienvenue de rue. C'est un personnage fascinant. Je souhaite de passer un moment, ma foi, agréable. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. Non. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Oh, j'ai une gentille avec les amicales, adaptation, différence, trop tôt! Amical? Amigo, rien à foutre! Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Là, t'aimes pas, hein? T'aimes pas, hein? Si je parviens à gagner sa confiance, ça facilitera l'enquête en cours. Pute! Tu n'es pas là pour être ami, Connor. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. Bonjour, monsieur, I am... Deviennent instables. Bienvenue de rue. Les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Qui est Amanda? Je pense personne, c'est honnêtement. Sachant que c'est un perso dans la tête de Connor. C'est genre... c'est juste un programme dans son programme, Amanda. C'est genre son service de maintenance intégré, quoi. On manque de temps. Bonsoir, monsieur M6. Une question à Amanda M.K. Personne non plus. Avec l'Android à l'accueil, mec, elle est magnifique, frérot. Celle qui a l'accueil, là. Elle, là. Je peux t'aider? Oh, frère, c'est une beauté! Oh, c'est dingue! Oui. Oh, connecte-toi, vas-y! Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Frérot! C'est à 2000 sur 20, elle est d'accord! En termes de bien belle beauté, on est d'accord, hein?
notre dodo. Jean-Jacques le beauf. Il est vraiment très beauf. Je traite ce modèle si tu pouvais cader. Non, je pense pas. Genre, pourquoi l'acheter? Alors, juste... Ah, j'ai une question de ouf. L'autre connard, là, dans sa salle d'interrogatoire, je peux faire en sorte qu'il se bute pas si je lui parle ou pas? Ou c'est juste, je lui parle et il se bute? J'aimerais bien savoir ça, quand même. Yel ou Chloé? Ah, elle, 100%. Zut, bah j'ai déjà essayé et il s'est buté, Pixelia. Tu sais, je vais prendre un abonnement, j'ai plus rien à foutre, frérot. Prends pas d'abonnement, mec. Stella, c'est déjà très très bien. C'est déjà incroyable. C'est quoi ça? Putain! Oh, ça me rend fou. Hein? J'espère que c'est ça. Il y a Todd? Non! Il y a Todd! Où ça? Où ça? Il y a Todd? Non! Il est où? Il est quand même dans tous les cas d'accord au cœur, c'est. Même en lui parlant, tu parles? Il y avait Todd, il s'est... Non, arrêtez. Non, is that a joke? No, you are kidding, guys. And the Todd just go on the... Oh, son of a fuck. She just... Ah, il est... Oh, right in front of me. Where is the Todd, guys? Oh, der Kampf, bitte schwelle, bitte schwein. Et je peux lui parler ou pas? Ah, ce débile. Si c'est juste pour le voir en soi, est-ce que c'est quelqu'un qui me manque, tu vois? Pas vraiment, donc c'est juste pour lui parler, je m'en bats les couilles. Mais il manque un truc dans l'arboréfion, c'est ça le problème. T'as l'air complètement con, toi, putain. Je sais pas, mais il était là. Moi, je l'ai pas vu. Vas-y, les gars. Je vais croiser Todd le déchet. Avance! Pousse-toi, connasse! Je peux t'aider. Laisse pas parler à ma meuf! Oh, t'es belle! Sois pas si froid, connard, utilise ta bite d'acier! Oui. Oui, connecte-toi! Oh! Oh! Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Merci beaucoup, tu m'as l'air bien élégante! Todd! Oh, je le vois, cette sale merde avec sa tignasse! Todd! Peut-être qu'il prépare un nouveau genre de radars. Tu veux peut-être que je t'aide? Todd! Putain de. Bon. Todd! Todd! Non! 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 La course! Non, bah, Todd, parle! Me contourne pas, t'es bloqué! Oh, t'es qui bloque? Todd! Oh, il part sans dire un mot! On n'a pas pu lui parler! Binouchaïs! Ça m'énerve! Un peu vénère. Ok, bah on va faire un truc qui s'appelle... Va niquer ta mère, toi et la roue. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, j'espère que c'est ça le truc qui nous manque. Faire avoir sa tête de fiac. Si, je l'ai vu de profil, ça suffisait. Je veux dire, quand vous voyez une fesse, vous savez qu'il y a un cul derrière. Bon. Ça là. Trouvez la... Ah, mais c'était avant. Hein? Oh. Mais il y a un truc à faire dans le jardin! What is the chase? Il est chaleureux, mec. Regardez. Oh. Ok, ouais, bah... Eh bah, c'est dans le jardin Jap, les potes. Hein. Mais je sais pas ce que c'est, frérot. Ça rend ouf tous les jours, tous ces gens. Faut que j'entertain. Bon, allez. On va enquêter sur Hank. On va devenir des gens plus proches. On ne va pas lui dire... Oui, hier, t'étais au bar, du coup... Pierre Magique, nous avons une technologie. C'est vrai que c'est marrant, ça. Ouais. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Dans ton cul. Ça dépend où il a passé la nuit. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Ok, ok. Ok, faut pas qu'on meure une fois avec Connor, vous savez pourquoi, les gars? Parce qu'on va voir le dialogue... Il est obligé de s'asseoir, ce pauvre con. Bon, on va voir le dialogue avec le flic, là, quand on sera à l'endroit où, du coup, ça sent la fiente et où on va faire une action de PGM, vous verrez. Dans les tours radio, là, mes couilles.
En fait, si on bute Connor, il se souviendra plus du fait qu'il a sauvé le flic. Donc il faut absolument pas qu'on bute Connor, les petits potes. Analyse. Non, ben non. Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Pas là pour le moment. Vous pouvez me laisser. Oh, il laisse un message ou pas? Si ça vous excite, je vous rappellerai pas de toute façon. Non. Voilà. Non. On lui laisse pas. Non. On raccroche, on fait quoi? Les potes. Oh, je sais pas si plus tard il écoute, genre. J'en ai aucune idée. Et ça excite Connor. Et a perdu ainsi que ça sur la chaise de ouf. On lui laisse un petit message. On lui laisse un message, hein. On lui laisse un petit message. Lieutenant Anderson, ici Connor. L'android envoyé par CyberLife. Ok, petit message, petit pote. Midi, je vous attends au poste de police. Ok. Il sait que quelqu'un pense à lui. Ok. J'ai hâte de savoir que ton chien s'appelle Simon. Il est mignon. Je pense qu'ils les ont coupés avec un truc. Ah, c'est trop classe, putain. J'adore cette interface. Ah, moi, je suis vraiment pris d'une passion par ce jeu, mais que ça rend quelque chose. Hein. Je suis passionné d'un jeu vidéo. Bonjour, faites quoi dans la vie? Bah écoutez, je suis un peu passionné de Detroit Become Human. C'est un peu, si je puis dire, mon deuxième métier. Oh, t'es vraiment un promoteur, t'es trop fort, putain! Quelqu'un de décoré! Ok. Bon, faut croire que le chien, par contre, il se frotte le cul au du siège. Hein. Il est quand même agile. Parce qu'honnêtement, trouver des poils de chien ici, je trouve ça un peu... Ou alors, il se frotte son cul à la tête de Hank, je sais pas, mais... Ok, ça, on va pas en parler. Ok, on devrait la bouffe diététique, hein, évidemment. Le plus important. Hein, je rappelle que bien manger, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sumo. Ça a l'air en triste juste de dire sumo. Il y avait... Salut! Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, putain. Putain, je l'adore, mec! Oh, enculé! Dans mon bureau! Ok. On y va avec lui. Et je veux soutenir Hank. Hank et moi, plus, viens avec moi. Oh, il est couillou. Simo, attaque! Tous les jours, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des androïdes. Stylé. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur android ou des trucs dans le genre, tu vois. Ah, la veste. Et oui, KX, tout à fait, t'as raison. C'est vrai, j'ai pas pensé au fait qu'il pouvait mettre la veste. On voit d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de CyberLife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi? Pourquoi tu me demandes si Simon, attaque. Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en Android, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi? J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Connard! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Va niquer ta mère, toi et la roue. Ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Ma bite! Cette discussion est terminée. Très bien! Jeffrey, mal perdu pour Connor de ouf. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre. Merci, monsieur Adonis, pour ton raid. Merci infiniment, un petit peu, j'espère que c'est passé ton live. Ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Comment vas-tu, mon cher Adonis? Oh, pauvre équipe. Contrarié. Ok, qu'est-ce que je lui place là comme remarque, les gars? Anderson, enthousiaste, dossier laissé. Je voudrais commencer à étudier ces dossiers. Pouvez-vous me dire où... Vois avec Hank. Tu fermeras la porte en sortant. Le rat. Bonne journée à vous, commandant. Fils de pute, FILSDEPUTE. Voilà, c'est tout ce que je voulais placer. Ça me paraissait important, voire essentiel. Honnêtement, hein. On va être honnête entre nous. Sa mère la Citroën. Quel connard, putain. Quel sac à merde, lui. Quel connard.
Putain, fallait le laisser en vrai. Ah bah il est ronchon comme tout hein, ce bâtard. Hein. Là tu sens le bonheur hein. Dans sa vie de merde. J'en suis Gohéra. Allez voir Hank. On va pas voir l'androïde les petits potes hein, en vrai. Pour qu'il se suicide pas. Pragmatique, constructif, compréhensif. J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments, lieutenant. Hank, aime-moi! Sachez que j'en suis profondément désolé. Hank, aime-moi! Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Bonjour, monsieur Infernoscus. Infernoscus, partenaire bureau. Partenaire, aime-moi! Nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Hank, allez, plus tard je serai ton meilleur pote! Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé! Il boude, c'est ça? Il boude! Quoi coup de te boude? Ah, les gars, arrêtez là! Arrêtez! Quelle horreur! Ah, d'air calme. Bon, après, c'est drôle quand même. C'est drôle, mais c'est. Je pense qu'à vivre en direct, c'est. T'es un peu en mode. Tu vois? Ok, 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 les gars. Haine des androïdes. Est-ce que Hank... Attends, si je dis haine des androïdes, ils nous aiment moins, de mémoire. Je veux dire les deux trucs où je suis sûr qu'ils nous aiment plus. Mais de mémoire, vous me dites pendant que je réponds... Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Tu veux des quoi coupettes? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça va, aime-moi! Sumo. Oh, t'es mignon! Il s'appelle Sumo. Je t'aime! C'est bon. Oh, musique. Oh. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Ah, même plus ça, j'aime bien quand tu m'aimes. Non, non, surtout pas. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ouais, trop longtemps. Ok. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. La terminale devant toi, connard! La terminale sur ton bureau, fais-toi plaisir. Bonjour, monsieur Josh. Ça va arriver, ils ont eu du mal, ouais, t'inquiète, j'arcane du coup. Non, non, mais non! Ah, d'accord. J'ai eu peur. Je vais avec les trucs. Ok, nickel. Donc, du coup, celui-là. Ça, c'est un Jerry. Ok, ça c'est une keuf en théorie. Ça c'est... Ça on est bien d'accord que ça c'est Norse, hein, c'est full Norse. Flood Miles. Ok. Bon ça c'est le petit pote. Ok, et en fait tu le sais déjà ici. Vous avez remarqué hein. Tu sais déjà ici en fait que... Excusez-moi, je vais me reculer parce que mes jambes elles sont... Ouah, frère, genre de... Ouah. Il y a Norskara, Marcus et tout, c'est stylé ça hein. Mais ça, du coup, en fait, on apprend déjà ici que Léo, il est pas décédé, frérot. Parce que vraiment, et le plan... Gros, le mec, genre, il saigne de, des yeux, de, du nez, enfin, le mec, il est mort, quoi. Mais vraiment, il fait... comme ça, tu dis, ok, au revoir, Léo Manfred. Bon, au moins, on a sauvé Carly, ça, c'est... Bien sûr, d'habitude, son père, Carl Manfred, c'est... Les numéros de série inconnus, et des traits des officiers de militaire service. Voilà, et mademoiselle... Claire a été violemment attaqué par son... Connard. Henri venait tout juste réparer la veille, il avait déjà fait preuve d'un comportement agressif par le passé, bien sûr. C'est vraiment quand même des sous-races, hein. C'est donc un bandit d'immergue. C'est pour ça que je suis CR9, c'est que c'est le. C'est un des premiers androïdes. 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Y'a pas Ralph? Ah si, c'est Ralph! T'as raison, c'est pas Jerry, c'est Ralph! Je sais pas. Les gars, je suis sur une idée. Allez, aime-moi, Hank! Est-ce que je fais se retirer de l'enquête? Professionnel, compréhensif. Je comprends que vous ayez des problèmes personnels, lieutenant. Mais vous devez les mettre de côté. Et... Hé, hey, me parle pas comme si tu me connaissais. Je suis pas ton copain et j'ai pas besoin de tes conseils, ok? Oh, oh. Faut que tu m'aimes. Les gars,
On a déjà fait déterminer, menacer. Si on fait se retirer de l'enquête, il se passe quoi? La question, ça. C'est une vraie curiosité, ça. Y a rien qui lui plaît? Parce que l'arborescence, on a tout fait, les potes. Terminé, parler de l'affaire. Hank est en colère. Ouais, vraiment, Hank, il est vénère, quoi qu'il arrive. Bah, venez, on essaie de faire se retirer de l'enquête. Attends, se retirer de l'enquête. Ah non! Attends, je dois lui dire de se retirer de l'enquête à lui? Si je fais se retirer de l'enquête, j'ai trop envie de le faire. Vas-y, les gars. Tu parles de lui se retirer? En gros, tu le menaces? Non. C'est vrai? Ah, mais c'est chiant! On peut pas ne rien dire! Là, regardez! On a un temps. Oh, ta mère! On a un temps limité pour répondre. Tu vas pas me faire ça, la manette, hein? Non, c'est bon. On a un temps limité pour répondre. Si je réponds pas, il va pas. Non, il va le menacer. Je sens le truc. Ça va appuyer sur X tout seul. Il saura pas fermer sa gueule, ce connard. Oh, je sens que si j'appuie pas, il va dire. Ça fait choisir une réponse. Oh, comment ça me saoule. Bon, je vais juste être quelqu'un de déterminé pour retirer de l'enquête. Vas-y, on essaie, on découvre, les potes. De toute façon, rien lui plaît. Je vous suggère de régler. Ah non. Ah, connard. C'est vraiment une merde. Il est pas gentil. Ah, Hank, il va plus être chaleureux. Il va être neutre. Ah, elle en est marre, là. Ah, et je parle pas d'une certaine marre, là, parce que je n'en connais pas. Elle est marre. Caca. Au problème personnel, de me laisser seconder quelqu'un de plus qualifié. Ouah, mais c'est méga méchant. Oh là là. Oh, c'est vilain. Oh, oh le bâtard. Oh l'enculé. Mais ça change rien, il est méchant à chaque fois. Ça, il fait t'es pas déterminé, si tu te branles les couilles, casse-toi. Sinon, il lui fait si t'es pas qualifié, casse-toi. Sinon, il lui fait tu vas arrêter de te branler, sinon je fais un rapport. Il est méchant, quoi qu'il arrive. Il me casse les couilles, putain. Connor, il casse la bite. 28 coups de couteau, mais oui. Allez, plaque-moi. Toi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas tomber dans la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier. Il va si vous branlez, mettez la main devant la cave, exactement. Règle d'or, les potes. Je m'en occupe. Si vous branlez, les potes, toujours la main devant la cave. Hein. Ça évite qu'un hacker puisse vous épier. Moi, c'est ma petite technique perso. Technique secrète. Ou un post-it. Une gommette. Je suis parano, je suis connu, casse chaque cam avec une gommette. Hein. Ouais, et du coup, ouais, si tu laisses les autres crever comme des merdes, ils trouvent rien. Putain. Oh, c'est vraiment dingue, hein, ce que tu peux faire, quoi. Bonjour, monsieur Roku, comment vas-tu, mon fils? Draco, t'as pas besoin d'écran. Oui, tout à fait. Ok, t'as de nouveaux vêtements, hein. T'as de nouveaux vêtements. Ça va chier dans la colle! Du coup, ben, une dans l'écran pour retirer la cam, bien sûr, ouais. Bonjour, monsieur Prose. Je suis pas au max, pétasse! C'est fou, ils ont même un programme pour dormir, putain de merde. Ne coupe pas les cheveux, s'il te plaît. Trouver du bois. What the fuck, man? Je suis dans ta mère, la pute! Tous les enfants qui m'écoutent, niquez vos mères, la pute! Là, on est bien. Là, on est bien. Merci, monsieur Roku, c'est très gentil, mon fiston. Merci beaucoup, mec. T'es vraiment un vrai gamer. Très gentil, merci pour ton prime, mon petit pote. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis curieux d'où est-ce qu'on trouve ces putains de vêtements de merde. Nounours. Nounours. Ça va être un frérot, ça fait un petit moment que je peux sur les lives, Roku. Parce que dans ta vie, ça se passe hier, mon petit pote. Les oreilles avec le coupage de cheveux, merde. Chase. J'espère juste que c'est pas les mêmes vêtements, ce serait cool qu'il y ait une variante. Il est toujours là, l'autre con, ou pas? Non, il est parti, l'autre débile. Ok. Regardez. Montre. Mais vous me pétez tous les couilles. Montre ou argent? Parce que l'oiseau, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Je vais faire argent au cas où qu'elle en ait. Ouais, mais elle en a même pas besoin. Non, va regarder la montre. Donc c'est la montre de l'autre con, hein. Et là, bam, référence à The Last of Us. Bam, gang, gang, hop. Hey,
Hey boy! Bonjour monsieur Brézy, bienvenue. J'espère que tu as passé de bonnes journées mon fils. C'est ta première fois sur le chat, donc bienvenue. Installe-toi de manière confortable. Replacer, voler! On a pas besoin. Ok, l'histoire. Non, non, non. Non. Non, non. Parce que Ralph fait nous faire. Tu m'as volé, tu pillé. Et qu'à moi, je vais te tuer. 100% frérot. Tu vois, il a pété un câble au sort, mais c'est sûr, frérot. Non, non, faut lui laisser son oiseau crever et. Et sa money. Ok, et on peut même plus le revoler après, ok. Tu vois, il a pété un câble. Tu vois, il. Moi, tu fais confiance, il m'a pas gentil. Quel connard, celui-là. Bon. Reposer. Urban Farm, gna gna. Ok, d'accord, donc c'est juste un travailleur urbain. Ouh, le rat crevé, là. I'm alive. On peut pas regarder dessus? Pas regarder, ok. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres trucs à regarder, les petits potes. Non, j'ai pas l'impression. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, Kara, quand même. Je peux raviver, attendre qu'Alice se réveille. Bon, on attend, hein, écoute. Là, elle va se réveiller dès que je vais passer la porte? Non, même pas. Tout est grillé chez lui ou quoi? Bah, je pense. Du moins, c'est la forte impression que j'ai. Ok. On va aller se faire enculer. Je dois. C'est quoi ça? C'est juste le livre, hein, ça, on est d'accord. Ouais, c'est juste le livre, ok. Bon, ok. On doit aller faire notre vie en haut. Et au rythme de notre coupage de cheveux, comme par hasard, Alice va se réveiller. Hein? On le sent venir, les petits potes, bien entendu. Elle est tellement pas du tout, mon petit pote. Pas du tout. Non! Kara! Prends pas cette décision, c'est une décision de merde! Non! Oui! Ça, je suis d'accord. Salut Ralph, excuse-moi, est-ce que t'aurais pas un petit pantalon, s'il te plaît? J'aimerais bien censer mon froc! Ah, pas la salle de bain. Bon. Ça se fait peine de faire mal aussi, il est où, monsieur Ralphou? Ralphouren, ouh, Tischbein! Ça va être les mêmes, tu vas voir. Vêtements? Oh, test. Frérot, s'il te plaît, il faut que c'est des vêtements différents, s'il te plaît, allez! Non, j'ai l'espagnol, elle veut même pas un petit cul, putain, un bout de fesse. Oh, oh, elle est trop classe comme ça, mec. Ah non, il y a le bac qui ne va pas. T'es cassé, j'ai parlé vite. Non, s'il te plaît, Alice, réveille-toi. Oh, goddamn, 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 I want to steak frites. Elle poliesse. Voilà pour l'IS, ok, voilà pour l'IS. Ok. Alors, va pas dans la salle de Ventos. Si. Allô. Héros. Ah, mais ces pièces servent à rien, pourquoi? Ah, si, ça sert, on peut regarder dehors, d'exactement le même point de vue. C'est vraiment génital. Ok, Alice, réveille-toi! Je ne veux pas devenir chauve! Alice, s'il te plaît. Alice? Alice! Alice! Réveille-toi! Elle a les yeux ouverts! Mais. Elle a les yeux ouverts! Frérot! Scheiße! Qui te chevelle? Où te chevelle? Regarde! Les yeux ouverts! Oh! Ça rend fou! Elle est pour retirer la diode, oui, c'est vrai. Ah, les yeux grands ouverts, elle dort avec les yeux ouverts. Mais oui! C'est un robot à la con! Je suis sûr que c'est un détail fait exprès, tu sais. On va aller se rendre chauve. Bah, les petits potes, on fait pas les cheveux blancs, c'est trop moche, hein. Moi, je la laisse brune. Y'a belle brosse, ok. Tu veux prendre une petite douche, peut-être? Oh, petite douche. Je vais prendre une petite douche. Y'a belle brosse. Non! Oh, lève-toi juste la diode, s'il te plaît. Non. Ah. Ah. Oh, scheisse. Vite, je fais. Nein. Dolorus. Le Dolorus Anus. Ah. Ah. Non, 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 non. Le seum. Ok. Oh, on va essayer de voir, allez. C'est de la merde. On dirait un mec! Non, on dirait un mec en blond, je crois. Ah, pas.
Ça va pas. Ça va pas. J'en parle 8. Brun ou noir, les potes? Brun ou noir? Vas-y, je vous fais un poll vite fait. Faites votre choix. Faites votre choix en 2 secondes. Vas-y, les petits potes, vous me dites. Je vous mets un pont, hein? Et là, le changement. Ah, j'ai courbature, les gars. Ah, c'est terrible. Ah. Hier, j'ai relancé des backflips, les petits potes. J'avais pas fait de backflip depuis 6 mois. Ça disparaît vite, hein. Ça de quoi en blanc, c'est dégueulasse. Vraiment, on dirait une mamie, hein. Attendez, ah merde, j'étais sur Twitch avec la manette de PS. En blanc, ça donne comme ça. Hein? Donc, on peut tous ensemble dire un truc qui s'appelle « ça ne va pas sur 20 ». Hein? Évidemment. Non, on fait 50-50. Si vous faites 50-50, je choisis, du coup. Et donc ça, c'est noir et ça, c'est brun. Vous me dites? Ok, on part sur du noir, les petits potes. Très bien. Allez, on va dire ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Enlève-la. 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 Plus vite. Le voice crack. Pourquoi le voice crack, Toaster? VoicePod, il fait de la merde, là? Non, arrête. Ah, non! Putain, t'es marqué ouvrir, putain! Rideau. Ok. Non. C'est tout pour l'instant. Rideau! Tu peux y aller. Rideau! On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, partir en couille. Ah oui, non, c'est pas le VoicePod, c'est juste ma voix, hein. Ah ouais, mais ça arrive. Rideau. Rideau. Qu'est-ce qu'on a ici? Rideau. Elle a été vue par le chauffeur de bus à 2h30, puis elle a été à la supérette. Alors, qu'est-ce que t'en conclus, Sherlock? Ah, c'est un voice crack, d'accord, ok. Non. Oh! Merde! Caca! Non! Cara! Fais le rideau! Cara! Oh non! Y'avait quoi derrière le rideau, les gars? Y'avait un truc de ouf derrière le rideau ou que dalle, les gars? C'était vraiment fou? Y'avait un mort? Non! Ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette! C'est bon pour elle! C'est un cadeau! Pour dissiper les malentendus entre nous. Ralph va cuisiner, nous allons faire comme les humains. Va niquer de ta mère, toi et la roue. Approchez. Venez vous asseoir. On fait quoi? On fait quoi? On s'assoit? Bon allez, on s'assoit. C'est le rat. Ralph s'est donné du mal pour trouver quelque chose à manger pour la fillette. Ce serait mal poli de sa part de refuser, n'est-ce pas? Génial. Ça va être génial. Ah, vous voyez pas ma tête, les gars, mais... Succulent, vous allez voir. Vous voyez le mème de la gamine dans la voiture qui regarde avec les dents qui sortent, là? Bah, c'est ma tête, actuellement. Depuis tout à l'heure, hein. Succulent. Le père, la mère, la fillette. S'il te plaît, Cara. On peut partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit qu'elle avait hâte de manger. Elle a très faim. La petite humaine ne va pas le regretter. Ralph a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle. Ça va être succulent. Succulent. Ralph, nique ta mère! Vas-y. Mange.
Non, Alice. Je préfère bouffer mes morts que bouffer ça. Mange. Tu me fais pas ton caca énervé ou je vais t'enculer ta grand-mère. Il faut juste que je place ça. Prends ton couteau, je le fourrai dans le cul, fils de pute. Mange. Putain de merde de rideau. Ah, je suis sûr que c'était ça l'option. Non, j'ai pas le flingue, c'est juste ça. Oh, here comes Scheiss. Nous allons nous lever maintenant. Et nous allons partir, Ralph. Non. Oh, Ralph, je vais pas devoir te tuer quand même. Non, vous n'allez pas partir. T'es sûr de toi? C'est Ralph qui décide. Tu crois donc? Bah c'était mort. Alors, fais-moi la valise, sale pute! Il y a quelqu'un ici? Oh non. Connor! Tu m'emmerdes! Je t'aime et tu me casses les couilles! Non, putain, vie de merde, de con! Débile! Caca! Oh ah! Je sens qu'on va pas faire la meilleure fin possible, je t'ai une fille! Oh non, tu meurs pas, s'il te plaît! Connor, meurs pas! Faut pas que Connor il meure, hein! Connor il meurt, je instant restore. Ok, on va faire le tour, on va faire le tour, on va faire le grand 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 tour, 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 Connor, 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 Connor. Faut faire vite? Non, faut pas faire vite les potes. Ça m'énerve qu'il puisse pas courir ce putain de débile. Il bitte fine line Boutechevel. S'il te plaît, Connor, fais un effort microscopique. 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 Ok, parfait, 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 parfait. Ouvre la porte. Tue pas Connor, tue pas Connor, tue pas Connor, tue pas Connor. Ralph, 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 Ralph. D'accord, faut bitte schweine, 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 scheiß, bitte schweine, nein, bitte schweine. Rassuré. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Ralph voulait juste être gentil. Va niquer ta mère, toi et la roue. Où est-elle? Mais il change vite d'humeur, frérot, j'ai même pas fait de choix. J'appuie sur rien. Tu pars derrière. Connor, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans le secteur, prévenez-le. Non. Par où est-elle partie? Par là, elle se dirige vers la gare. Mais putain, vie de merde. Non. Oh, je vais en faire de la capoeira. Oh putain. Non, ah non, non, faut que je remonte mon instabilité du ciel, faut pas que j'aille. Il faut que Hank m'aime, Hank aime-moi. Oh, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas, je clay de bite, je fight. Tu vas voir, mec, c'est vraiment incroyable. Ok, les potes. Elles sont là. Putain. Mon deux mime. Et Connor, il est con comme un manche, putain. Non, bien sûr que non. Il nous la faut vivante. Oh, scheiss. 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 Oh, merde. C'est n'importe quoi. Ah. Va bien. Oh, chaque épreuve. Putain, je me pète! Ah, oh, je couche avec moi-même! Oh ça va, c'est qu'une voiture dans le cul! Et où tu vas comme ça? Je ne peux pas les laisser s'enfuir! Ils arriveront jamais à traverser! Je ne veux pas prendre ce risque! Hé, hey, arrête! Non, les gars, on peut faire un. En vrai, on peut faire un truc où on les rate. Mais il n'y a pas Luther. On s'en bat les. Ah! Putain, je fais. C'est difficile! Ah! Parce que. C'est, on vous fait un qu'on a dit. Mais les gars, faites un choix. Faites un choix. Ça me saoule, arrêtez. Allez les potes. Ok les potes, on y va pas. Le vote à voter, j'allais dire. Mais c'est vrai, le vote à voter quelque part.
Ok les petits potes, ok, 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 ok guys, ok, 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 c'est bon, tout va bien. Hein, ceux qui étaient en train de faire une syncope devant, devant leur truc, tout va bien. Tu vas te faire buter, les prends pas en chasse Connor, c'est un ordre. Thank you man. Ok. Elle est là. Vas-y. Scheiße, bitte schwein, bitte schwein. Y'a pas raté. Kara. Ah non mais Amanda va être déçue les gars. Ça va aller. On a fait le mauvais choix. Si, si, c'est ce que je voulais, Artemis. Mais je voulais voir, en fait, si on les capturait, est-ce qu'on pouvait pas faire en sorte que Connor devienne encore plus déviant, en mode, il les laisse partir, tu sais. Oh non, Amanda. Amanda forever. Ah, regarde son regard. Ah. Qui? Ah, Alice, on atteint de l'autre côté. Ok, super. Ah, vous avez vu, on a l'autre tenue du coup ici. Il y a toujours Connor derrière. Ça n'a aucun sens, mec. Ok. Et une voiture renverse, Connor. Ah, 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 ah. C'est terrible. Attends, ça t'apprend avec Alice. Ah, si elle crève, genre. Ah, non, je sais pas, frère. Je sais pas. Ah, là, j'ai trop de questions. J'ai envie de leur faire 300 fois le jeu, frérot. C'est un truc de fou. Le squad signale la X400. Quelle pute. Ah, là, je suis sûr, ils pouvaient. Frère, on pouvait faire. Vous avez vu? Oh, on aurait dû faire autre chose, genre lui mettre instant la pression ou un truc. Oh là là, on serait pas. Oh! Y'a trop de trucs à faire, frérot! Je vais en faire 36 fois, putain! Il aurait été encore plus déviant. Source, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'android détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années. Oh non! Oh les gars! Alors, rappel à toi-même, KD. À ce moment-là, tu fais une transition en marquant « C'est chiant, c'est long, c'est toujours la même chose, on est content. » Donc là, t'as décidé de discuter avec le chat et de passer directement à la scène suivante parce que Marcus égale ennui. On est d'accord, le chat? Nickel! Allez, on y va! Vous avez le son, c'est bon? Oh, le vieux était bon! Ah bon! Ok, les gars, bon, il y a moyen qu'on fasse un truc. Bon, c'est pas très incroyable. C'est pas très Hank friendly, mais... Mais on l'a pas fait. Hein? T'as un robot, toi? Bon. On lui fera... On lui fera des petits bisous après. Oh, c'est vrai, moi aussi j'ai un tuyau de godin, mec. Je parle pas d'astuces. Une petite pouliche. Que la musique avant Rise 444 Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. 444 de Ashley Sienna. Attends, je la mets là. No sex. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Pardon les potes, il y avait un truc à faire, j'ai pas vu ce que c'était. Tu vas pas le regretter. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Hank, je t'aime. Je ne peux pas faire autrement. Non, putain de bordel! Allez. Je crois que notre relation est partie du mauvais pied. Aime-moi, Hank. Nous devrions oublier ce qui s'est passé et reprendre à zéro. Qu'en pensez-vous? Écoute. On a décidé de me coller un partenaire en avec plaisir, Diffé. Je dois faire avec. Mais si tu crois qu'on va devenir pote, t'es aussi crétin que t'en as l'air. T'es vilain! Aide-moi! Ok, ouais, putain, je prendrais pas ça. Et on peut aussi analyser Hank, genre. Ah oui, on peut de nouveau analyser Hank. Ça rend débile, mais c'est marrant. Ok. Et tout ce qu'il y a derrière, ça sert à rien. Ok. Ah, je crève la dalle. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance.
Il me suit partout où je vais. Regarde. Tu vois? Tu vois? C'est pas tard. Oh, regarde, j'ai faim, putain! Paris. Hein? Ce Pedro. Il vous proposait des paris légaux. C'est bien ça. Ouais. Et vous avez parié? Ouais. Oh, qu'il est fort. Cholestérol, repas gratuit, bon appétit. Y'a quoi qui fait monter l'opinion de Hank, là? Je sais plus ce qui fait monter l'opinion de Hank. Le cholestérol, ça le fait, Bon app, on lui dit juste. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Vous êtes des menteurs! Autoroute. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Non, pourquoi tu mens? Parler de Connor, Hank et les androïdes déviants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le sourire jaune, c'est ça, c'est exactement ça. Il fait genre qu'on n'est pas important, mais en réalité, on lui rappelle son petit fiston au pote. Ok! Ok, on lui dit quoi au pote? On lui parle de Connor? On parle de Connor, on est d'accord. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence, ainsi que ma voix, ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. C'est méchant, hein? Hank et les androïdes. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains... Oh, en fait, ils nous aiment pas plus, hein, rien à foutre, hein. ...à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Et quand ils détestent, c'est Skip, ouais. Différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Oui. Ah, c'est vrai qu'il a vraiment un air méchant. Hein. Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Je te demande. Je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Je demande où mettre cette discussion si jamais t'as pas réussi à la sauver. Dire la vérité. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Bonjour monsieur le Magi. Bonjour Minuska Foxy. Plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Être sincère, psychologique, insensible. Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilitent pas les choses. Toujours sincérité avec Hank. M'adapter aux c'est ce qu'il aime. Des humains fait partie de mes fonctions. Ah, quel beau gosse! C'est mon ami! Mec! Ah, c'est incroyable. On vient de me signaler un des... Nous sommes beaux. C'est à quelques... Il m'aime, il me regarde avec passion. Nous devrions aller voir. C'est vrai, je t'ai fait acheter le jeu, carrément. Incroyable, le mode. Truc de fou, ça. Voiture, en cas de besoin. Un Sigma, bah non, un petit peu, mais... Sigma, il est quand même un peu à côté détaché bâtard. Là, lui, c'est juste, il a mode. Eh, écoute. Je sais, j'ai un peu un champ supérieur, je fais pas extrait. Ouais? T'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. Ok, les gars. La question c'est... Et il faut qu'on sache maintenant... Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Est-ce qu'on continuerait pas à poursuivre le déviant? Quand Hank se fait pousser. Qui a signalé des bruits. Ce que Didi, il m'a dit que vraiment, genre, il nous kiffait pas trop, hein. Ici. Est-ce qu'on le poursuivrait pas, vu qu'on l'a jamais fait? Dissimulant une diode sous sa casquette. T'avais dit par rapport à l'endroit de pigeon, oh non. Mec, t'entends un bruit étrange, la police va pouvoir sérieusement recruter. Eh, tu remplissais vraiment un rapport. On le poursuit ou on sauve Hank, les gars? Exact. Parce que Hank meurt pas, hein, je précise. Mais... Didi, il m'a dit que après faut le caresser, quoi. Il y a quelqu'un? Si tu le poursuis, Hank se tabasse.
elles sont trop cool vu que vous êtes en mode ami là. Et il te gifle carrément. Il nous aime pas. Police de Détroit, ouvrez. Reste derrière moi. D'accord. Et on se met debout, hein. Bon, le livre, on l'a déjà lu. Ah, mais peut-être qu'il est différent, non? Je sais pas. Connor, il est d'une putain de lenteur, mec. Scheiß, bitte schwein, Mutter schwelle, bitte schwein. Ok, alors. Vas-y. Hello. Je roucoule. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est pas vrai. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. Moins d'énergie peut-être. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Oui. C'est le truc que fait ta mère quand t'es en colo. Il roucoule. Je roucoule. Ok. Parce que là, rien à foutre, c'est quand même dégueulasse ici. Mais oui, mais du coup, on veut pas analyser le livre si on le, si on le poursuit pas. Je suppose que c'est ça, puisque chaque fois, je n'ai pas pu l'analyser. C'est sûr, c'est ça. Merde! Ouais, mais ça fait chier, alors, mais savoir ce qu'il dit ce livre. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Ça se trouve, il disserte sur qu'est-ce que la pornographie Android. Eh oui, sujet intéressant. Mais oui, mais qui nous aime plus, Yona, si on fait ça? Je ne sais pas. Caresse bien qu'après! Je dirais un carnet. Mais non, mais les gars, il va plus nous aimer, ça va me briser le cœur et les couilles. On va être triste là. Au pire, je ferai un poll. Au moment du truc là, quand on sera exactement dans l'action, je ferai un poll. Dis, c'est qui R9? Je pense pas parce que même les développeurs ont pas été clairs sur ça. Apparemment. Je sais pas ce que je voterai honnêtement, ok les potes. On verra au moment du vote. Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Ça c'est vraiment dégueulasse hein. Pigeon. Hank va recouler. Tu sais ce que ça veut dire? Era 9. Écrit exactement 2471 fois. C'est fou hein, qu'il arrive à savoir que c'est 2471 en un clin d'œil. Sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Ouais, c'est la conclusion que j'en ai aussi, KX. Ok, le deuxième truc, c'est quoi déjà? Merde! Scremantos, ok. Non, on de mime! Débile! Et les frérots, préparez-vous au pôle, hein. Paul, j'ai du Zor. Ah putain, je déteste ces trucs. Et qui s'énerve, mec, ça rend pas de prix. Hein. Mec, c'est vraiment incroyable. J'aurais trop fait un perso dans un jeu comme Hank, juste il se vénère, tu sais. Putain, mais ça rate là. Sans arrêt, tu sais. Pète un câble. C'est vraiment trop marrant de faire ça. Mais là où il est fort, le doubleur, c'est qu'il arrive à être très touchant. C'est qu'il fait un perso à la fois qui est drôle malgré lui, tu vois. Et en même temps le perso de Hank, il est giga touchant, quoi. Eh, pauvre con. Ah d'accord.
Ok. Et donc en fait, on se casse bredouille si jamais on ne résout pas ces trucs en fait. Regarde ce beau gosse, regardez le regard de Connor. Oh, oh, pauvre Connor. Bah d'accord, bah oui, bah j'y vais, ça va, hein. Et non, oh le cool. Wouhou. Gag. Oh. Gag. Oh, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Ok les potes. Alors toujours le plus rapide, évidemment, hein. Ok, même chose là. Torpedo, rapide, équilibré. Y'a pas d'équilibre qui tienne, mon petit pote. Con de mime. Je roucoule. Ok les potes. Évidemment, on ne fait pas le même sketch que la dernière fois, hein, évidemment. Ah, qu'il est beau. Concentrez-vous sur la musique, les gars, elle est incroyable. Putain. Con de merde. Et à sa droite, directement. Rapide, mais risqué. Genre, Connor, fais pas ce que tu veux. Connor, je vais t'en... Ah. Précise qu'il a arrêté de courir tout seul, hein. Autonome, hein. Quel beau gosse! Putain de merde. Oh, regarde-le! Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, vas-y, 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 vas-y. Quel beau gosse! Oh, je l'aime! Oh là là! Ça va! Ça va! C'est bon! J'ai compris! Vous avez un cœur! Ah! Ces gens sensibles là! On dirait moi! C'est pénible hein! Putain! Ok! Bon, ça va! C'est bon! C'est bon hein! Bonsoir ma chère Camille! Bienvenue Dru! Ok, 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 ok. Vous avez peur, j'appuie sur X, hein, pas sur carré. Est-ce que vous dites genre à tout moment, hop, j'arrive, je suis un petit. Va niquer de ta mère, toi et la roue. C'est une blague. Oh, je t'aime. Oh merde, oh merde, on le tenait. Je peux pas essayer qu'il est fou. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. Il m'aime. C'est pas grave. C'est l'ordi de ça. C'est à quoi il ressemble. On le trouvera. Oui, j'ai un cœur en surpoids, Pixelia, en effet. Dis merci. Hey, Connor. Non. Non, rien. Allez là, c'est bon. Oh. Non, 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 non. Ça me vénère. Et les potes, on va faire la même chose. Connor est mort en poursuivant Rupert. Ça va vraiment faire de la merde, ça, point exé. De trouver le journal. Et. Il y a un truc. Ah oui, c'est si tu fais que de la merde, ok.
Ici, être honnête avec Hank, mettre Hank en garde contre ses amis. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, ok. Rejoindre Hank. Ah, c'est une finalité, genre c'est quand il nous aime pas. En fait, t'as pas de discussion, genre il fait vas-y, casse-toi, laisse-moi manger, connard. Je suppose que c'est ça, hein. Pourquoi il nous aime pas? Si, il nous aime, Hank. Il est même plus chaleureux, il est ami, on est un copain. Ok, les frères, on fait un chapitre. Un chapitre. On est bien là, bonne énergie. Oh yes, en plus un chapitre chiant, les gars, on peut conclure tranquille. Est-ce qu'on va voler le ravitaillement par contre? Dans celle-là? Qui êtes-vous? Des fugitifs. Il a comme pas dit merci. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. Ah bon? Lars. Rien à foutre, vas-y, je te laisse répondre le jeu. Top plaisir. Je ne comprends okay. pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Non. Nous n'appartenons à personne. Comment ça, mon ref? Liberté, liberté. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. On chope le camion, ok, les potes? Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Tiens, la gueule. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Los Bix Boobos! Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je sais ce que tu ressens. Non. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Les humains étaient vos maîtres, et maintenant, c'est la peur qui vous guide. Vous n'êtes pas plus libres qu'avant. Bonjour, Mama 4, LV. Vous avez juste trouvé vos maîtres. Qui a vient de rue? T'es perdu. Comme nous tous ici. Non. On n'a pas demandé ça. Non, non. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Non. Tu es en sécurité. Non. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Non. Va voir Lucie. Non. Elle pourra peut-être t'aider. Non. Concentre-toi! Ok, les potes. Alors, allumez toute cette merde et rien à foutre, ok. Faut... Flemme. Oh, scheisse. Putain de cheval, putain de cheval, putain de cheval. Oh! Il est où, Josh? Josh? Joshua, oh tu es ici Joshua, viens là, viens qu'on t'aime, tu ne vas pas être amer à cette run vu qu'on va être fragile. Bonne nuit monsieur Starskios, dormez bien mon fils. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... C'est jamais suffisant. Alors, Norse lui parlait, savait pas qu'elle nous aime plus, il me semble, hein. On peut que se faire moins aimer, mais pas plus aimer, si. J'aurais signé trop carburant. Puis l'Angleterre, carrément, t'es en Angleterre, mec. Carrément incroyable, mon petit pote. C'est carrément incroyable, ça, mec. Je peux te parler à toi, pauvre con? Non, je peux pas. On s'est demeuré manteau non plus. Ça, je crois qu'il faut le faire, justement. Pour avoir la piste. Mais c'est ça, hein. Ok. Si on fait pas ça, il se passe quoi, frère? Jericho, d'accord, ok, donc tant qu'on fait pas ça, je pense qu'on peut pas avancer. Bon, on va voir avec la Rofton. Est-ce que j'ai vraiment envie d'allumer ça? Est-ce que ça augmente le truc de Jericho si on allume le feu? Oh! Bonjour. Enchanté. Toi, non. Sans passer ici. Ça fait longtemps que t'es ici? Non! C'est pas ce qu'il fallait faire. 4 semaines. Ah non, c'est bon. 3 jours et 11 heures. Quand je me suis enfui, j'avais nulle part où aller. Jericho m'a paru être une bonne solution. C'est pas Luther le grand monsieur? Si, y a moyen. J'ai pas regardé, c'est vrai. Tous ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur en chercher? C'est pas si simple. Si. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jericho. La plupart de ces androïdes sont en sale état.
C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous mettent. C'est depuis la France, on a tous les moyens. Jamais ouf. Ils ne nous accepteront. Je suis amère et salée. Je m'appelle si un ours. Venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Oh, va niquer de ta mère, toi et la roue. Pétasse. Alors attends. Ça, non, c'est pas un Luther, frérot. Non, c'est pas un Luther. This is not a Luther. Bon, je crois qu'allumer le feu change rien, même si ça change quelque chose. Rien à foutre. On va s'amuser à allumer 4 bidons, hein. On a autre chose à faire de nos vies de même. Vie de merde, pardon. On va aller la voir directement. Bonjour. En plein chantier. C'est toi, Lucie? Bah, les Luther sont habillés comme ça, ouais. Toaster. Assieds-toi. S'asseoir. Bonjour monsieur VTTXD23, merci beaucoup pour ton message, c'est très gentil, je suis très content que ça t'ait plu. Monsieur VTT, bienvenue à toi du coup. Montre-moi. T'es très heureux que ça t'ait plu. Allez là, dépêche-toi. Putain, ces séquences avec Marcus sont longues. Scheiße. Je vais arrêter l'hémorragie. Ah. Carme incroyable, sur YouTube, Sinly, t'es tombé par hasard ou c'est via TikTok? Parce que la plupart c'est via TikTok, vu que l'algorithme YouTube est à chier évidemment. Bois ça. Eh prof, pas d'histoire. Jésus miraculeusement, incroyable Sinly. T'es tombé sur laquelle par hasard? Gore. Bonjour monsieur Okaneki, bienvenue Dru. C'est via YouTube, incroyable les petits potes. Le problème en fait c'est que YouTube commence à te mettre en avant qu'à partir du moment où entre guillemets tu fais des statistiques. En fait YouTube n'est pas méritocratique et c'est ça qui pue un peu le caca. Frère, il y a pas grand chose qui est méritocratique honnêtement. Mais YouTube vraiment c'est le contre-exemple parfait. Hein. Elle est terrifiante. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Ouais. Tu as vu l'enfer et maintenant... Bah incroyable les potes. Ton cœur est troublé. Truc de ouf, incroyable. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Moi c'est pas un pote, trop bien. Que choisiras-tu? Best of Twitch? J'ai fait un best Tes of Twitch? Choix forgeront ton destin. J'avais fait ça moi? Je sais pas quelle vidéo c'est, Vitaï. J'ai fait des best of de vidéos mais pas un best of Twitch. Allez putain c'est long! Proposer un plan cul à Simon. Allez viens là Simon. Montrer ce que c'est être un habitant de Jéricho. Bon allumer le feu et sa mère hein. Hein? Bon. Simon. Oui? Je sais où on peut trouver des pièces. Non. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Non. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Non, c'était pas en stream, Vitaï. C'est des vidéos que je fais, vraiment, je les fais pour YouTube. Et je mets les rediffs sur la chaîne secondaire. Je vous la mets là pour ceux qui peut-être ils connaissent pas son existence. Parce que c'est vrai que j'en parle pas, on va dire, énormément. Je suis avec toi. Là, vous avez la chaîne secondaire si vous voulez aller dessus. Et il y a les rediffs de live du coup dessus. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Merci beaucoup, Vitaï, c'est très gentil. C'est la chaîne Tonton Cad exactement. Ok. Je te suis. Bon, t'as fini de me chier une enclume, toi? Oh putain, mais bordel! Ok. Cette face-là, là, celle qui est après, c'est quoi? C'est Oh, je sais pas, c'était trop court. Alors, ça, c'est une circoncision. Non. 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 Non, c'est pas celle-là. Non! Ça va aller. Ah! On va trouver de l'aide ici. Ah! Bientôt tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Non! Putain! On est arrivé. C'est de la merde. Ah! Oh, c'est la maison de la bite!
Quoi le save sur téléphone? Je sais pas où gagner qui, mais t'inquiète, tu t'en fous. Balek. Balek, mon petit pote! Bah moi la vie, mais toi, la petite vie, mais toi! Putain! Attends, mais il y a un truc qu'on a jamais testé, tout simplement. Bonne soirée, Lucas167, dormez bien. Allez! Niquer ta mère, toi et la roue. Bonne soirée, messieurs Adonis. Les frères, j'ai envie de me commander un McDo, c'est normal ou pas? Vous pensez? Vous êtes à la cour. Tu l'as abandonné? Non, tu peux pas, Sacha. Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Mec, qu'est-ce qu'il y a, ma chère Renard? Vous êtes trompé d'endroit. Ah oui, bah excuse-moi. Attendez. On a vraiment besoin de votre aide. J'avais envie de me le bouffer toute la soirée. Ah, vas-y. Bah commande pour moi, Renard, le LMDR. Ça les volets, la machine à laver. T'en as pas, Didi? Je pense que t'en as pas, honnêtement, Didi. Et que tu te fais, entre guillemets, choper quoi qu'il arrive. Enfin, tu fais une course poursuite quoi qu'il arrive, mais t'es habillé en Android tout le temps, en fait. Ou alors, sinon, Didi, j'ai une... Mais mec, mes frères, mais évidemment, c'est sûr. Quand t'arrives chez Rose, elle te donne de nouveaux vêtements. Vas-y, je parie sur ça. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. J'étais à ça, mais je mangeais des pâtes. Ah, je peux faire des pâtes aussi, c'est pas mal. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Bah je sais pas, Didier. Peut-être que, je sais pas, peut-être dans le coffre de la voiture, il y en a, je sais pas. Vraiment aucune idée, hein. C'est vrai que c'est un mystère, ça. Il a l'air heureux, hein, Luther, là, actuellement. Faites comme chez vous. Connard. Luther la tour, Luther le bâtiment, frérot. Comment avez-vous entendu parler de moi? Dans ton cul! Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Ouais. Une déviante, hein? Non. Et elle? Elle est humaine. Et... Vous voulez trouver un endroit sûr? Bah oui, connard, il est con celui-là. Une nouvelle vie. Bon, quand même, mange cet enculé. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... C'est exactement ce qu'on veut faire. Alors. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. On a le droit au spoil? Ça dépend, est-ce qu'il est vraiment utile, quoi? S'il est peu utile, non. La petite peut nous attendre dans le salon. Non. Non, elle reste toujours. Le traceur. Bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Tu prends qui pour des couillons, espèce d'enculé? Tout mon matériel est au sous-sol. J'ai fermé la clé parce que je couchais avec ma mère. Ah la 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 la. J'ai envie de te péter la gueule. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. J'espère qu'il est sourd, ce connard. Assurer, réconforter, prudence. Je sais. Moi non plus, j'ai pas confiance. On doit être prudente. Ah ! Pour le bazar. Non, coup de pompe, c'est mieux. Hein ? On est d'accord, hein ? Mes machines. Retirer les traceurs et dire, je sais pas. Alors, j'ai misé sur la discrétion plutôt. C'est quoi le mieux pour l'opinion publique? J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux.
Les robots, c'est mieux ? Par ici, je vous en prie. Non, c'est la même, frère. Le problème, c'est qu'ils sont à poil ! On fait nounours ? Ok. Nounours ! Si tu veux bien monter là-dessus. Ouais, mes androïdes, ils vont brûler, genre. C'est de la merde. Toi que tu ne tues pas d'humains, l'opinion reste stable. Ça va être compliqué avec Zadko, hein. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Et que t'as vraiment Zadko ? Oui, si, c'est ça. Tu sais ce qui est étrange ? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi ? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants... Va niquer ta mère, toi et la roue. Si naïf. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Comment ça, mon ref ? Où je vous garde pour mes petites expériences. Non ! Non ! Je veux pas être formaté ! Laissez-moi ! Kara ! Oh ! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice ! Non, Alice ! Non ! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. Mais quelle grosse merde, ce type, mec ! C'est touchant. Est tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Non. Je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. Sale grosse pute. Sale pute. Voilà ce que c'est que de rêver. Non. Ça se termine toujours de la même façon. La best end, Ryan. Déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Va niquer ta mère, toi et la roue. Plus de douleur. Oh putain. Plus de... d'espoir brisé. T'as rigolé, grosse pute. Je t'envierai presque. Je vais t'enculer. Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Hop, allez, ça alors, pour moi. Toutes les mains à moi. Il m'a mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Non. Kara, réveille-toi, Kara. Non, non. Rejoins-moi dans le salon. Non. Ok, les potes. Alors, pour changer, je vais renverser le truc à gauche d'abord. Kara, dépêche-toi, arrête d'être un mollusque. Sinon, je vais te fissurer l'anus. Allez, allez, allez. On va le pousser. Allez, pousse, pousse. Wouhou. Oh, merveilleux, wonderful. Ok. Diaso lo sposo, hermano de lo che vero non è buona parola, lo che vero dio, dio, che vero è quel di nero, lo che di nero. E voilà, tu va très bien. C'est un traitage avec moi, c'est vrai qu'elle est pas... elle est pas au centre du bonheur non plus, la petite Alice, hein, la pauvre. Et ils y tiennent à ce truc de tirer la manette comme des cons, hein. Va souiller sa grosse mère. Bon, on fait nounours, hein. Ouais, non, bah ouais, mais non, mais les gens nus, c'est pas fou quand même, hein. Ah bonjour, excusez-moi.
Bonne nuit, monsieur Belusha. Oui. Oui, Zlatko. J'aurai terminé dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je dois un peu constater que la porte est fermée, du coup. Ok, bah on peut vraiment sortir que par derrière, putain. Ouais, mais je vais pas brûler la maison en vrai pour les androïdes. Juste pour les androïdes, je vais pas foutre le feu. Je vais juste utiliser Nounours. Nounours, Nounours. C'est là-dedans. Attends, je vais partir sans Alice. Je sais pas. Je crois que Didi m'avait dit que non, hein. Je crois. Genre, Kara, elle est vraiment dépendante d'Alice pour lui. C'est pour ça qu'à la fin, t'as le choix entre abandonner et résister, genre. Alice, elle meurt dans mon let's play. Ouais, j'ai pas spoil, vous inquiétez pas. Je prends du principe que ceux qui sont là regardent les let's play, hein, évidemment. Bonjour. Nounours. Y'a pas de suite de Kara sans Alice. Ouais, on est d'accord, frérot. Bonjour, monsieur Till, 904... Ouh, putain, 972, pardon. Bien vient de rue. Bon, alors, on va pouvoir assister à la... À la scène la plus conne d'Europe, les petits potes. Donc regardez bien, observez bien. Ce qu'on appelle la connerie humaine. Un toit. On va pas le calculer, hein. Oh. On calcule pas ce frérot. Peter. Je veux pas lui parler à ce pauvre débile, là. Luther. Oh, con de mime. Regardez, voilà, c'est ça la scène la plus conne d'Europe. Alors déjà, ça, voilà, on va utiliser ça, évidemment. Regardez, je vous montre le truc le plus con de ce monde. Hein ? C'est vraiment le truc le plus débile du jeu pour moi. Après, bien sûr, le système de chapitre. Regardez. Oh non, il y a pas de balle. Oh zut. Et si je n'ouvrais pas le putain de tiroir juste devant moi ? Hein ? Parce que vraiment, il y a un tiroir, tu vois, je pourrais l'ouvrir. Mais sur Conan, évidemment. Ouais, voilà, c'est ce que l'on appelle l'action du mollusque, hein, du jeu. C'est vraiment l'action la plus teubée que t'as vue de ta life. Ok, bon, on va même pas déverrouiller cette possibilité, les potes. On va vraiment faire Alice into Nounours into s'enfuir. Comme ça, on tue pas les androïdes qui sont dans le sous-sol, les potes. C'est pas bien en vrai de les tuer, les pauvres. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche. Kara, tu te souviens de moi? Oui. Comment aurais-je pu t'oublier? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Le violon, incroyable. Luther ? Oui ? Oui, Zlatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko. D'accord, ouais, c'est légèrement guidé, hein. Mais trois fois rien, quoi. Se cacher. Donc là ? Ici, il marque qu'il nous reste combien de temps? Est-ce qu'on va pas se cacher dans l'armoire pour voir? Pour changer, genre. Zlatko! Quoi? La petite a disparu! Ça, mec! C'est vraiment... Elle a écarré et regardé aux allants! Pute! Putain! De merde! Bonjour, Milou. Ah, de ouf, je suis grave d'accord, monsieur le perforateur. Tout à fait. C'est vrai que ça fait grave penser à du Resident Evil. À la maison du premier, je sais pas, mais moi ça me fait déjà penser à celle du 7. J'arrive. Je vais le faire avec l'index. Moi je le fais avec le pouce, frérot. Genre là j'ai le pouce droit sur
carré, l'index sur L1 et je bouge avec le pouce le truc. C'est pratique, je vois vraiment bien genre. Bon, on va prier les potes hein. Ok. Il fouille la maison, il doit sortir avant qu'il ne trouve pas. Où ils sont passés ? Dans ton cul ! Vas-y, trouve-le, bordel ! C'est vers le couloir, ça ? Ok, on va se cacher ici pour cette fois. Juste pour tester. Ah ! Y'a un boobs ! Difficile, Ryan. Enfin, en gros, de base, quoi, expérimenter. Oui, en effet, ils ont des boobs. Et... Ah ! Pas boobies ! Il y a pas de soutif, bro! Peut-être qu'on va t'en pas un petit jeu du grand! Ah! Oh! Parti! Bonheur! Parfait! Y'a comme un petit cheval, une boute de cheval, oui, de cheval, une boute de cheval, pas de boobies! À droite, ils sont pas là! Ils avaient jamais vu! La 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 la! Heureusement qu'il est con quand même, je suis terre. Ta gueule! Vous désobéissez au maître. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Je dois le faire bien. Oui, oui, oui. Pas de doute, maître. Oui, pas de merde. Oh, demi-meuf. On peut pas s'arrêter maintenant. Je vais falloir être courageux. Josiane? Putain! Sale petite garce! Montre-toi! Chaïs! Il y en a une sur la table! Nounours! Sors de là maintenant! Je te ferai pas de mal, c'est juré! Oui! Je veux juste te parler! Tu vas te tourner de l'autre côté ou pas? Je sais que j'aurais pas dû effacer ta mémoire, ok? Je regrette de l'avoir fait! Sors de là et tout se passera bien. Je t'aiderai si tu veux. Regardez. Petite fille, la pauvre. Elle doit être terrifiée. Luther, il est le meilleur de fouiller qui est bien lui quand même. Raisonnable. Allez, sors de là et tout se passera bien. Tu nous as trouvé ? Ouais, ouais. Non, Zlatko. Je les cherche encore. Et je tente. Ne reste pas planté là, espèce d'imbécile. Tu es évident ? On doit les retrouver, t'as compris ? Dis, je tente. Le payer, espèce de petite gamme. Ah, voilà. Nounours, aide-moi! J'ai raté un skill check! Nounours! Ça suffit, on arrête de jouer à la cache. Bourre-le! Ah, 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 ah! Oh là, l'enculé! Elles sont là! Reste en prout! Alors, fait amusant que j'ai noté grâce à mon All Black comme Big Brain, les gars. Le L sont là qu'il dit. Ah, mais Luther, mec. Le L sont là que dit Zlatko. C'est le même L sont là que le flic quand il parle à Connor. C'est exactement la même voix. Vous irez écouter si vous voulez. C'est exactement le même L sont là. C'est le même identique. Ça me vénère, gros. J'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'enculer. Pousse-toi de là. Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus. Non. Comment oses-tu? Je t'ai créé. Obéis-moi! Je suis ton maître! Sors! Oh merde! Oh, c'est con ça! En tout cas, il est une très belle imitation de Lotari, je sais pas ce que vous en pensez.
Et ben voilà. Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Bah oui, je m'en doute, Gustavo Fring. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour... J'ai eu envie de contacter Walter White immédiatement. C'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok, et du coup, on observe qu'on n'a pas nos vêtements. Ok. Je te fais confiance. Donc attends, ça veut dire que pour la suite... C'est bizarre du coup que Alice, elle ait des vêtements après. J'ai eu si peur de te perdre. C'est pas con, ils prennent le pompe avec eux. Après, d'un autre côté, il doit pas trop se faire remarquer, Adonis. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu logique quelque part.